Il y a le jeu. Oui, je sais. Attends. Parce que le jeu commence tout de suite. Hein. C'est très compliqué pour moi. Live game. Musique. Audio ground. Yes. Salut. Voilà. Revenons au jeu. Et normalement, vous voyez. Alors, c'est un jeu mobile, hein, comme je vous avais montré. Juste, je vérifie un truc. 3 secondes. Oui, il y a tout qui est bon. Le titre, on va le laisser un peu. Voilà. C'est parti! Alors, ceci est une cassette audio. Voilà. Je sais pas quel âge vous avez, mais... Dites-moi si le son est trop fort aussi. J'ai l'impression qu'il est un peu fort. Ça se joue au casque. C'est ça que c'est en train de dire, je pense. Je suis dedans. J'ai mis mon casque sur les deux oreilles. Alors, je précise que c'est un jeu mobile, donc du coup, je pense que ça sera peut-être que en 9/16e, au lieu d'être en 16/9e. Donc, c'est possible que au niveau de l'overlay, ça rentre pile, donc peut-être on va laisser le titre. Autre chose, là, le style me fait énormément penser à un autre jeu qu'on avait joué, mais sur la Startup Nation, donc on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. On t'appelle à Startup Nation, je précise. Et n'hésitez pas à me dire pour le son, parce que j'ai l'impression qu'il crie dans mes oreilles. The endless clatter of railways, highways, and everything in between. But as my train pulled into the station at Bellariva, I felt every bit as excited as the first day of my journey. A whole year. It felt like a lifetime. Places I'd seen, the people I'd met, of course, the forgotten treasures I'd given a new lease of life along the way. I'm a restorer by trade. Bringing our most beloved possessions back to life is what I love to do. I'd been traveling for months, working my way from one town to the next, fixing everything from family heirlooms to VCRs. Alors, VCR, alias magnétoscope, c'est une cassette vidéo. Donc, c'est pareil que la cassette audio, un objet qu'on mettait dans un autre objet pour faire du son ou de la vidéo. C'est important, hein, parce que c'est des objets que beaucoup de monde ne connaissent pas. Hein. Bellariva was my chance to take a break. Unfortunately, that would have to wait until after I'd unpacked. VHS en français, exactement. VHS. Alors le son, ça va ou pas? Dites-moi si c'est un peu trop fort. Mais je pense que ça a l'air d'aller. C'est que de mon côté en fait que je me fais crier dessus là. Hop, je vais baisser le son un petit peu. Voilà. Et voilà. Pour vous, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Alors du coup. Comme on avait dit, c'est un jeu de réparation. Donc j'imagine qu'on va réparer cette fabuleuse. Cliquez sur la valise. Je clique sur la valise. Cliquez sur les fermoirs. Oui, mais. C'est déjà compliqué. Who doesn't love a scrunchie? Practical and stylish. Je vois pas bien. Juste 2 minutes pour voir si l'overlay est bon. The tools of my trade. No hope of restoring things without these. My passport. Not many blank pages left now. Un peu de la chance, j'ai envie de te dire. I saw a guitarist wearing these at a show once. Rock and roll repair woman at your service. Ah, exactement. My favorite overalls. These will never go out of style. Et la salopette de travail. C'est connu hein, que quand même hein, quand tu travailles, bien sûr, t'as toujours une salopette.
Oh, là, ça va, l'overlay est bon. Looking forward to taking more close-ups of my fingers with this. I picked up these sunglasses on my last stop. Hopefully I'm cool enough to pull them off. I'll hand these out once I'm settled in. Fingers crossed they get me some work. Franchement, déjà comparé à Little to the Left, c'est dur. Hein. Finally, I'd made it to Bella Riva. I'd come for the food festival, taking place in a few days' time. After living off TV dinners and instant ramen for the last few months, I was craving a decent meal. Of course, I'd need to earn enough money to pay for it. So I figured I'd head out the next day and find some work. My parents never wanted me to go. They wanted me to stay in their shop and have a simple, stationary life. I knew there was a world out there, beyond the four walls of our antique store, that I had to be a part of. I daydreamed constantly about the weird and wonderful places each of our antiques came from. I loved figuring out their stories, revealing the memories hidden beneath the screws and wires. Alors juste pour mes yeux et pour vos yeux, est-ce que ça va? Parce que y a pas de mode sombre sur le jeu, je crois. Je baisse un peu la luminosité, je pense. My story in Bella Riva began with a little girl and a voice she was longing to hear. Je vous donne la raison pour laquelle je veux jouer à ce jeu-là. On répare une Game Boy à un moment. Et ça, c'est... Enfin, pas une Game Boy à proprement parler, c'est plus la DS. Mais déjà, rien que ça, c'est vachement bien. C'est une très bonne idée. My first morning in Bella Riva and I couldn't wait to leave my hotel and explore. It was a quiet town. Its streets and alleyways basking peacefully in the hot morning sun. In the main square, meanwhile, preparations were underway for the festival in a few days' time. As I handed out my flyers, I wondered what the people of Bella Riva would need me to fix. So far, everything here seemed perfect. I was starting to worry I'd made a mistake when I felt someone tapping me on the back. Hi, I'm Izzy. Do you know how to fix things? Do you know how to fix things? It was a little girl, maybe 7 years old, who must have gotten hold of one of my flyers. She rummaged around in her backpack until she hauled out a battered red cassette deck. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire à Franck Brusset Harry Potter. Juste pour la blague. My tape is broken and I can't make it work anymore. I tried to fix it myself, but there's this metal thing in the way. Can you try? Okay. Allez, alors voyons voir. Petite dissection de la machine. Avec le crayon, bien sûr. Faut que je dessine? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pour vérifier. Ça, c'est juste les piles. Alors, on met forcément du café. Ah, c'est ça. Oh, le café, c'est la pause. C'est intéressant. Ok. Alors, du coup. Ah, on peut tourner en bas. Je vais mettre de la luminosité puisque je vois plus rien. Je ne vois plus rien. Il n'y a plus de détails. Les détails sont partis. Ok. Oh, ça tourne avec le mouvement. Oh, c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. Je pense que c'est vraiment pensé pour le mobile, du coup. Aha, those batteries look like they need replacing. Luckily, non. I have some spares. Ah. Attendez, où est la vis?
On a perdu la vis. Ah non. Elle était rangée. Excusez-moi. Oh, ça, c'est vraiment ma hantise. Mais pareil, un truc, tu perds ta vis. Ah oui, attendez, parce que j'ai pas encore les mouvements. Hein. Voilà. Oh, c'est tout doux. Ok. Attendez, parce que là, les mouvements du truc, je ne comprends pas. Ah oui, c'est inversé. Ok. Ah, ça, c'est pas ma cam, ça. Reste comme ça. Ah oui, excusez-moi. Je vais devoir déclarer mon âge au bout d'un moment, c'est ça? C'est comme ça qu'on remonte une cassette audio. Why did you do that? Ta vie, c'est pas de l'apprendre. Pourquoi tu fais ça? Regarde bien. Il faut faire attention et délicatement pour ne pas casser la bande magnétique qui capture le son dans cette cassette. I didn't see. Voilà. Alors, je suis désolé, hein, je vais devoir... On va devoir expliquer plein de choses, parce que ça, c'est des trucs... Ah oui, c'est vrai, faut que j'ouvre, excusez-moi. Non, mais non, t'as raison. Hop, éjecter, insérer, fermer... Attends. Fermer, et essayons. Déjà, le power est actif. Sit by your side and hold you so tight. Know that I will always love you, even though we both know that we must say goodbye. Alors, grande question, est-ce que c'est pas de un placement de produit, parce que c'est possible, je connais ce genre d'objet. Si vous connaissez aussi un peu, normalement ça n'en est pas. Donc c'est... As he picked up the tape deck and tucked it carefully into her backpack. Ou c'est... ou ça ressemble à quelque chose en tout cas, mais... Thanks, Maria. You're the best person at fixing things ever. No problem. Thanks. Who is that singing? They're very good. It's my mom. She's not here anymore. Izzy trailed off. It was the kind of silence a cassette tape would never be enough to fill. When Izzy's friends called for her, she dug deep into her pockets, looking for something to pay me with. Eventually, she produced a grand total of a stick of gum, 3 mismatched buttons, and a yo-yo. I usually preferred a check, but Izzy looked so serious, I wrote out a full receipt. She seemed like a happy kid, but beneath it all, part of her life had been shattered. Part I wouldn't... Partie que je ne pouvais réparer. Alors, il y en a 10 pour l'instant. On arrive à 11 au fur et à mesure. Ah. Alors, j'ai jamais vraiment fait du modelage de cette manière-là. Donc, peut-être que ça va être plus compliqué que je le pense. Donc là, c'est un modèle de... Mon premier réparation est complète. J'ai passé le reste de la journée à faire des petits jobs dans et autour du square. Un modèle apparemment de jeu de rôle. I was exhausted when I got back to my hotel and found a message asking me to make one more visit. The address led me to a quaint little house, a stone's throw from the beach. Bathed in the evening light, it looked beautiful, in spite of its flaking paintwork and chipped tiles. Mais ça a enlevé ArchStream du coup. Je viens de remarquer que le titre a changé tout sauf ce qui était nécessaire aussi de garder. Et c'est compliqué, hein. C'est la musique d'attente, hein. Hop. Et voilà.
Hop. Reviens au jeu. The front door was opened by a hairy looking man, still dressed from a long day at the office. Are you Maria? My name's Joseph. I'm Isabel's father. I'm so sorry she bothered you this morning. Please, come in. I'd like to settle up properly. On the mantelpiece, I saw the remains of a broken statue. Without thinking, I picked up a fragment. Ah, c'est une statue, c'est même plus une... Ah, my father's statue. Et oui, qui n'a pas de... qui n'a pas de statue de son up? Mais oui! It survived 100 years in this family. But 5 minutes with Isabel and... Alors, attendez. Il y a un bug dans la matrice, là. Hein. Comment ça peut être le... À part si ton père est un vampire. Mais comment ça peut être la statue de ton up avec une barbe, déjà, donc il a plus de 30 ans, on va dire. Plus de 20 ans, on va dire. Et qui a survécu une centaine d'années. Soit il y a un truc entre... le. Ça voudrait dire que toi, tu as quoi? 90, 60 ans? Un peu plus, si c'est 30, on va dire. Plus 60. Et 20 plus 60, ça fait 80. Donc il a 70 ans, ça fait 100 ans. J'y crois moyen, hein, à son histoire. Je suis désolé, hein. Commence par ça, hein. Allez. Ah, parce qu'il faut cacher en plus. Oh là 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 là. Mais alors, regardez bien. Regardez bien comment j'utilise cette colle. Voilà. Voilà, je pense que personne ne va remarquer que c'est de la colle. Alors, bien sûr, attendre suffisamment longtemps pour que ça sèche. Je pense que c'était plus le bas qu'il fallait couler. Voilà, là ça va forcément tenir. Attendez, je mets bien sur les côtés pour bien qu'on voit bien à l'extérieur. On va écrire des trucs. Au bout d'un moment, on va écrire des trucs. On va cacher des mots en colle pour le prochain réparateur, réparatrice. Ouais, c'est pas mal. Là. Allez, on continue. Mais respecte-moi. Il faut mettre la deuxième jambe, là. La jambe, elle est là. Ça, c'est une jambe? Oui, c'est une jambe. On a bien mis. Bien que ce soit... Voilà. Bien rempli. Il faut bien que ça dépasse. Sometimes, I think my daughter should come with a warning label. Quoi? Vous êtes très étrange. Attention, monsieur, très étrange. Bien sûr, toujours signer ces pièces de réparation. Bon, la prochaine fois, on fait ça. On va signer. Ménétique. Attends. Tout à l'heure, on a rangé trop proprement. Maintenant, il faut commencer à faire des trucs un peu bêtes. Voilà. Hop. Ah, le panneau d'avertissement. À moins que ce soit pour le panneau d'avertissement. Hop. Alors maintenant, comment je vais faire le B? Ah, on peut pas. Bon, ok. Il y a un 13 déjà. C'est déjà ça. On va dire que c'est validé. Hein. Voilà. Caché en plusieurs parties, bien sûr. Hein. Là, on va mettre le bis. Non, mais... Voilà. Et le S. Voilà. Et maintenant... Veux qu'on la lance pour voir? Faisable, hein. Après, je recolle cette paquette. Hein. Voilà. Et maintenant... Oh. Oh. Cacher, bien sûr, la colle. Voilà.
Hop. Ah, c'était de la porcelaine. Ah oui, ça ne rigole pas en statue, hein. Thank you, Maria. It looks as perfect as it ever did. My father wanted me to make something of myself. He didn't have time for anything less. As Joseph put the statue back on the shelf, it nudged against the family portrait stood proudly next to it. So he was Bellariva's mayor. And that was Izzy's mom. They must both miss her so much. Oh là 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 là. Mais tous les élus ont des statues de leur père en porcelaine? Sorry. I'm a little tired. I've been working late getting things sorted for the festival. There's only a few days to go. Looks like I'll be working late. Again. Ah, mytho. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas du tout. Moi, je veux une preuve, hein. When I told my parents I wanted to leave, they always found an excuse to be busy, to avoid talking about it. I guess keeping themselves occupied was their way of pretending it wasn't happening. Ah. Okay. Joseph's work must have been taking up so much of his time. But maybe that was what he wanted. I just hoped he was finding enough time for Izzy, too. Bah ouais. Mais je pense qu'il est pas occupé en vrai. Il fait autre chose, c'est tout. C'est juste un con. Ah. Alors, est-ce que vous devinerez quel est cet objet ? Il faut vraiment expliquer parce que j'ai rencontré quelqu'un récemment qui ne savait pas utiliser un téléphone. C'est un téléphone. Dawned bright and clear. Another beautiful sunny morning. Walking into town, I passed cafes overflowing with customers cradling their morning coffees. I stopped, breathing in the smell of roasted coffee beans and freshly baked pastries. I was about to go inside when the owner of Carmen's, the cafe next door, stopped me. Hello, Maria. Were you here yesterday handing out flyers? I have a job for you. Her place was petite, tucked between its competitors petite. As if hoping they wouldn't notice. Judging by the empty tables inside, though, her potential customers hadn't noticed it either. It's a bit slow today, but we're just getting started. I'm sure it'll pick up soon. As Carmen chatted, she walked over to the counter and returned with an old rotary phone. At least I've got plenty of time to practice my recipe for the festival. It's a new special I've been working on. I was hoping to call my sister for some, seasoning tips, but it won't connect. Can you see figure out what's wrong? Alors blague bien sûr de gens qui regardent des séries un peu spé, hein, mais avez-vous essayé de le déconnecter et le reconnecter? Ah bah apparemment c'est juste ça. Ah, il y a l'air d'avoir des pièces un peu plus poussives là. On voit qu'il y a de la connexion. Connexion électrique, au moins. Ok, on va commencer par ça. Et voilà. Je peux appeler. Voilà, je pose ça là. You can't fix it, can't you? I can't afford to replace it. Et avez-vous toujours la même connexion de fil? Parce que c'est ça la grande question, en fait. Hein. C'est un peu répétitif là, par contre. Pourquoi on peut pas garder le truc en main? Ok. Oh. Oh là là, c'est joli. C'est-à-dire qu'on peut custom ça. Est-ce que vous voulez que je pimpe votre téléphone? On va customiser tout ça. On va imprimer en 3D, bien entendu. Ah bah voilà. Vous avez un problème d'ordre phonique, déjà. On va changer votre...
votre carillon. Voilà, déjà ça marchera mieux. Allez hop. Ça, c'est fait. Validé. Ensuite, le cadran, on l'a pas testé. Ok, on peut pas. Et si ça ressemble vraiment à ça, c'est vachement intéressant comme jeu, hein, par contre. Ah, je vois, c'est... Le câble, c'est les trucs rouges, ok. Rose, plutôt. Ok. Vous cliquez sur le câble et faites-le glisser sur la boîte. Mais non, je peux cliquer ici, là, non? Ah oui, d'accord, ok. Ça, c'est un nouveau truc. Oui, bah, je te laisse là, hein, écoute. Looks like this new circuit board is all hooked up. Mais tu te balades souvent avec des circuits d'il y a 300 ans? À 300 ans, je me comprends. Mais... Alors, je vous conseille, hein, si jamais vous essayez de faire des réparations comme ça, d'abord d'avoir déjà pas perdre des vis, ça c'est le plus important, je pense. Faites attention, oui, regardez peut-être les. Peut-être faire attention à un truc qui s'appelle les encoches potentielles qu'il peut y avoir. Par exemple, dans ce genre de truc-là, je pense qu'il y a des encoches qui bloquent aussi sur le côté plastique. Pour éviter justement que ça sorte uniquement avec les vis. Vous perdez une vis, il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est surtout que quand on l'enlève, en général, il faut pincer, donc il faut checker un peu avant. Ah, c'est fini? Histoire d'éviter de casser les trucs, parce que par exemple sur les... When I handed the phone back to Carmen, she seemed almost reluctant to take it from me. En ouvrant mon laptop sur un MSI, j'ai réussi à casser tous les trucs, les encoches en plastique. Donc essayez de vous renseigner peut-être à l'avance pour savoir comment c'est foutu. Et sinon, tirez pas comme moi, quoi. Nope, it's ready to go. It'll be ringing off the hook in no time. Et pour information d'ailleurs, c'est ma première année où je fais de la réparation. Incroyable. And the rent and the suppliers. Anyway, take a seat and I'll be right with you. Your coffee's on the house. I sat at one of the empty tables, while at the counter, Carmen had started dialing the phone. Hello. How's my favorite sister doing today? As she talked, Carmen became more and more tense. This didn't seem like a call for some cooking advice. I know I still owe you from last time, but I can't afford to take part in the festival if I don't pay. I could almost feel the eye roll at the other end of the line. You don't need to be here, though. Can't you just put the check in the post? When the call ended, Carmen brought me my coffee, her hands trembling. Sorry about that. My sister's decided to fly in for a visit. Oh god, I have to get ready. Actually, I might have another job for you. Can you come by tomorrow? Va-t-on découvrir encore des... Oh, des objets de l'ancien temps. Oh, ça, c'est bien. Donc là, définitivement, c'est pas une pub. Enfin, c'est un pentax, mais... Voilà, quoi. The next day, I'd promised Carmen I'd return to help her get the cafe ready for her sister's arrival. Ils l'ont appelé l'Enax, le truc. I was about to set out when I received an unexpected call from my hotel's reception desk. Apparently, another guest had asked for me by name. Curious, I took the creaking elevator up to the top floor and made my way to the room number they'd given. I knocked. Are you here about the camera? It's about time.
The woman in front of me was immaculate. Not a hair out of place or a crease to be seen. My sister tells me you know how to fix things. I'd usually go to an expert, of course, but in this town... So this was Carmen's sister? The two of them couldn't have been more different. Inside her room, I saw a beautiful reflex camera, any professional photographer's dream. The viewfinder is completely dark. I can't see anything through it at all. I assume you can figure out what's wrong. Ça, c'est plus compliqué quand même. Voilà, le mode d'emploi, bon, on va les lire déjà. Non. You need the manual. Bah oui, on a toujours besoin du manuel, parce qu'en fait, le truc, c'est que... C'est ce qu'on lit pas. Donc, si on le lit déjà, c'est bien. Quoi ? C'est un appareil photo qu'on appelle un réflexe ? Parce que... Il y a un système de miroir ? Non, c'est pas un réflexe. C'est un argentique. Mais, ouais, si c'est un problème de déclencheur... Enfin, c'est pas un problème de déclencheur. Enfin, j'espère que c'est un problème de déclencheur, parce que ça, c'est potentiellement réparable. Mais à côté, si c'est autre chose, c'est plus compliqué. Où est ma main, là ? Bon, vas-y, on prend autre chose. C'est le viewfinder, c'est la pièce qui s'enraye facilement, quoi. Comment dire ? Je vais direct au même au bon endroit. Hein. Je comprends pas pourquoi on devrait enlever le. I don't suppose you've fixed anything this valuable before. Problème de miroir. C'est même pas un problème de viewfinder. Wow. Où est la pièce ? Je sais pas combien elle a claqué, mais là. Chaud de ouf. Après, on va pas se mentir. Hein. C'est un peu Bourgeois City hein, cette histoire. Bon, continue. Ça c'est pareil, je suis même pas sûr qu'il y ait des normes sur la taille des miroirs. Ah, ça... Je crois pas que ça soit aussi simple. If I use the screwdriver, I could adjust the angle of the mirror. Perfect. Now the viewfinder should be working. Bon bah c'est cool pour l'instant comme jeu, à part qu'on... On se fait pas payer pour le taf, mais à part ça... À part ça, ça va quoi. C'est cool. C'est... Tout le monde se fait de la thune sauf nous. Ça. La pièce qui manque. C'est ça. Non mais, excuse-moi. Donc... Alors, oui, ça c'est important, si vous n'avez jamais utilisé d'argentique, regardez bien comment on positionne une pellicule. Il faut la tirer quand même jusqu'au bout, là. Waouh, ils ont jamais utilisé d'argentique. Waouh, choqué, choqué, choqué. I felt a pang of envy as I handed the camera to Helena. I put my disposable to shame. I picked it up on my first trip to Paris. It's a 1958 limited edition, the first of its kind. It cost me 3 months' salary, but it was worth it. Moi, je veux savoir le prix du coup du miroir. Juste le miroir, parce que tout l'objet ne vaut rien si tu n'as pas de miroir. I had
no idea what 3 months' salary meant to Helena, but I was pretty sure it was more than I could afford. Ouais, boss. It was strange, really, that we were even staying in the same hotel. I'd picked this place because it was cheap and cheerful, but surely she could afford somewhere better? She took some test shots, fiddling with the camera settings until she was absolutely satisfied. This work is immaculate. At least there's one person in this town who knows what they're doing. Ça, ce serait intéressant aussi, parce que je suis pas sûr de pouvoir vous donner des bons conseils pour pouvoir... Mais si jamais vous tombez sur des argentiques, ça peut toujours servir. Par exemple, si vous allez en manif, c'est plus facile, on va dire, parce que les photos ne sont pas tout de suite trouvables. Mais c'est toujours pas conseillé, hein. Je conseille pas non plus de prendre des photos en manif. Par contre, pour pouvoir en trouver, si vous en trouvez en brocante ou n'importe où, par terre, c'est mieux. Mais si vous en trouvez pour faire les tests. Alors du coup, pour faire les tests, je pense que la pièce la plus fragile, c'est vraiment le rembobineur. Ou l'embobineur, c'est comme vous préférez. Il y a les deux sens, en vrai. Vérifier que ça fonctionne bien des deux côtés. Je pense que ça, c'est le plus important. Bah, forcément, s'il y a de la moisissure aussi, parce que c'est un truc qui moisit. Donc si vous en trouvez, regardez bien les différentes lentilles, parce qu'en général, les dépôts de moisissure, c'est entre les lentilles. Et du coup, ça va forcément faire des sortes de... Après, ça dépend de ce que vous voulez comme photo. Si vous voulez pas un truc propre, tant mieux. Mais voilà, faites attention. En général, la possibilité d'en trouver plein dans les brocantes, parce qu'il n'y a plus personne qui en utilise en ce moment. That didn't sound good. If Hurricane Helena was about to hit, I hoped Carmen was ready. Et voilà, tester tous les petits trucs qui tournent, tous les trucs qui bougent, l'objectif à checker, clairement. Et qu'est-ce que c'est que c'est ? Oh, un néon. Waouh, incroyable. The sun was setting over Bellariva by the time I reached Carmen's cafe. From the outside, it looked as quiet as ever, but inside, I found Carmen cleaning like her life depended on it. Bon, si on doit faire Don't mind all of this. If Helena finds one speck of dust in here, I'll never hear the end of it. Pour faire l'expert entre guillemets de la réparation, parce que c'est un peu, c'est un peu ce que ce qui se passe. Normalement, on n'appelle pas ça un néon. Carmen seemed pleased to see me, but I sensed the fidgeting tension beneath each sweep of her mop. Trying to live up to the standards of someone like Helena seemed like an impossible task. I hope you didn't mind fixing the camera for her. She was furious when it broke. I really need this to go well. If she doesn't lend me the money, I don't know how long I can keep this place going. Ah, mais ça va, tranquille. Carmen led me to a back room, where she'd laid out the components of what looked like a neon sign. I had this made when I first opened the cafe, but I'm hopeless with electronics. So there was supposed to be a sign outside. This might explain the lack of customers. I'd like to put it up before Helena gets here. Can you give it a try? Alors, ça me paraît quand même étrange que ce soit juste cette raison-là pour qu'il y ait personne, mais d'accord. Quelle tête ça a? Ok, donc il y a le... Ça, c'est le dos. Ça, c'est les trucs qu'on doit casser, c'est ça? Ah, il y a de la colle, super, on va pouvoir dessiner. Allez. Oh, la souris, elle est partie à 15 millions de kilomètres. Il manque un truc là, non? Ah oui, d'accord. Ça y est, j'ai compris à quoi ça servait du coup. Ok. Donc si on tourne ça... Ça, c'est là.
Ah non, c'est peut-être un fil qui passe à l'extérieur, de l'autre côté. Oui, c'est ça. Ok. Hop. Pas le faire passer de l'autre côté, d'accord. On est censé faire quoi exactement? C'est juste le monter? Ok. Ah non, mais ça c'est le bouton, d'accord, du coup, ça c'est censé être au-dessus, à l'emplacement dédié au bouton. Mais, laisse-moi mettre... On est dans le bon sens? Attendez. Ah, pourquoi c'est inversé? Bon, on va faire comme ça, ça va marcher. Encore un peu. Voilà. Non! J'en peux plus. Pourquoi c'est inversé? Ah. J'ai cliqué en dehors du jeu. Tellement que la souris se balade. Bon, ok. Mais on peut pas le mettre en fait. Comment te dire? Tu m'embêtes! Enlève ça. Mais non, mais. Ça a aucun sens. Allez, pars. Moi je veux ça. Je veux juste voir si on peut mettre la... Voilà. Et du coup, ça marche mieux comme ça? Non. Ah là 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 là. Bah, il se passe quoi? I think the whole thing is supposed to light up. Ah, j'ai dit quelque chose? Faut que j'aille aux toilettes, mon dieu. Voilà. C'est comme ça que ça se déroule. Ah, mais faut peut-être que je mette de la colle sur le truc. Ok, ça y est, j'ai compris. À tout de suite. Ok. Bon, du coup, je me suis perdu. La colle. Voilà. Voilà, ça tiendra tout à fait bien. Mais c'est déjà en marche, là? C'est pas très, très, comment dire, safe, votre truc. J'arrive pas à me placer avec cette cam là. Sans regarder, regardez, c'est magnifique. Il y a peut-être un fil qui passe là. Là. Non, c'est censé juste. Mais comment tu. Tu connectes pas le truc là?
Ah bah non, apparemment. I don't know, it's a bit flat. Maybe if it flashes, it'll really catch people's eye. Great idea. I think I have a spare part that could do that. OK, super, faut que je joue. OK. Toujours un plaisir de monter démonter. Je peux pas acheter les trucs dedans, c'est nul. Oh là là. Ah, faut que je colle encore. Alors, je pense pas que ce soit de la colle qui soit nécessaire pour ce genre de choses-là. Sachant que, en plus, il y a des circuits électriques. Je ne pense pas. Arrivé, hein. Youhou! C'est bon. Bonne soirée, Démédil. C'est vrai qu'il commence à être l'heure de manger. Je vais peut-être pas tarder. On va faire une pause après. Non, mais sérieux! On rajoute des trucs au fur et à mesure, là. C'est ça, l'histoire. Arrêtez de me faire démonter son truc, là. Pourquoi les néons en plus, enfin, pourquoi son enseigne spécifiquement? Pourquoi tu me donnes les trucs au dernier moment? C'est juste pas possible ça. Ah, attendez, on va faire un motif cette fois-ci. Bon. Non, comme ils ont décidé que la colle c'était plat. Okay. Donc ça explique pourquoi on avait un fil en plus. Et un trou en plus. Du coup, ça devrait être là. Ça, là. Comme ça fait alimentation, connecteur et disconnecteur. Enfin, grosso modo, c'est clignotant quoi. Programmation. LED. Enfin, c'est pas des LED, mais voilà, vous avez compris. Oh, quand je pense que mon histoire de arcade contrôleur Stream Deck, c'est l'histoire nulle, hein. Ah, si tu préfères ça. J'ai vu son logo en plus, j'aurais pu le faire dès le premier coup. I'll screw everything together again and you'll be set. Ah bah c'est, je sais pas si la glace est une bonne idée parce que je crois que c'est elle fait des boissons, non? The sign fixed, we headed outside and mounted it carefully over the cafe door. Oh, that's perfect, Maria. It looks just how I imagined it. When I had this sign made, it all seemed so simple. Oh, I can't believe I might have to give it all up. I hope I've done enough. The smile froze on her face as she spotted something over my shoulder. I turned to see. Of course, my sister owns the only cafe in this entire town that isn't actually open. For better or worse, Helena had arrived. Carmen opened her mouth to explain, but Helena swept indifferently past her. Finally pausing in the doorway, she turned back towards Carmen. The first thing we're doing is getting rid of that hideous sign.
Ah, elle aime pas. And with that, she disappeared inside. I hoped Carmen's chances of saving the cafe hadn't disappeared with her. Donc du coup, on répare un truc, mais c'est pas pour l'utiliser. Quel truc de... Eh ben, bonne soirée, Gégélou. Bon appétit si vous mangez. Et la Game Boy? Ah, je pense qu'on va faire... Attendez, parce que je vais regarder combien... Ah, oh, 13. C'est peut-être la fin à 13, parce qu'il y a une étoile. C'est pas un boss, hein, j'imagine. Donc la Game Boy, on va faire la Game Boy. Je vais juste regarder sur Long To Beat en même temps. Parce qu'il y a beaucoup de discussions, et en fait, c'est ça qui rend le jeu long. Long To Beat. It was the day before the festival, and the whole town was busy getting ready. I had more work than I knew what to do with. When Joseph called with another job, I was craving the cool quiet of his and Izzy's seafront house. Après, on... l'histoire est pas incroyable, mais c'est... I heard someone calling me. Maria, I need your help. Quickly! Top secret! On peut se finir à Assemble Wolfcar, ça dure une heure et demie. It was Izzy, peeking out from the side of the house. She beckoned for me to follow her. She led me through to a beautiful, unruly garden, overflowing with flowers of every color. Nestled among them was a playhouse, its doorway almost completely obscured by a towering rose bush. Ouais, donc du coup, l'histoire est... Oh, on peut faire comme ça aussi. L'histoire est pas forcément la plus intéressante possible, mais j'aime bien le côté livre. En fait, ça fait très, très littérature, quoi. Et c'est pas mal. You have to squeeze past it and breathe in real small, like this. Izzy took in a big gulp of air and crawled through the gap and into the playhouse. Et aussi, les voix off sont bien, hein. Propres. I hadn't planned on crawling in the dirt today, but the life of a repairwoman never did run smooth. J'aime que le jeu se livre, oui. On the table inside, there was an electronic toy. Not exactly the usual stock in my parents' antique shop. I had an accident. I didn't do it on purpose or anything, but it won't turn on anymore. C'est très le rythme que j'ai du mal, quoi. Mais après, la lecture est bien. Can you fix it for me? Avec plaisir, je suis là pour ça. Yes. Alors attendez, parce qu'il faut, je pense qu'il va falloir se rappeler du schéma. Croiser 1-1. 1 ici, 2 là, 3 là. Ok. De toute façon, on a besoin des fils. On n'a pas besoin des fils, on a juste besoin de changer ça. Imagine. Ah, c'est toi. Pourquoi okay. Oh, il y a un rouge là. L'écran, il y a l'écran aussi à changer, c'est ça. Ah, il y a le bouton aussi. Ah, faut que j'enlève tout. Le bouton. Allez, hop. Ah, j'ai fait ça... Oh ! J'ai fait ça toute la journée. Tout ça, c'est avec le bouton ou quoi ? C'est quoi ? Pourquoi il y a ça ? C'est quoi, ça ? Ah, elle va nous demander de modifier encore, je sens. Allez, c'est bon. Le son, je le voudrais un peu plus grand. Un peu plus large, s'il vous plaît. Pourquoi c'est comme ça, toi ? Moi, je... On peut pas le fermer, là ? Ah oui, c'est parce que j'ai pas fait ça. Ok. Oh. Ah oui, bah c'est un écran, quoi. Ah bah voilà, l'écran, c'est lui qui a du son aussi, donc c'est le deuxième. Ok, alors est-ce qu'on peut l'avoir dans le bon sens, s'il vous plaît ? Merci. Pas le bon sens, ok.
Alors ça c'est facile, c'est le 2. Ah non, mais il y a la carte mère en dessous qui est bourrée aussi, non? Et cher ça. Ah oui, non, c'est l'écran. Je me rappelle plus du schéma. Je crois que c'est 2. Il y avait pas un truc comme ça? Oui, c'est ça. Quoi le jeu? Forest Adventure. Ça a l'air bien. Do grown-ups play games as well? Alors ça arrive. Pas tous apparemment. Can you show me how to play? Ok, faut appuyer sur H, je peux te montrer. Quel méta-jeu. Ah! C'est Pokémon Snap. Her toy fixed, I watched Izzy retreat into its screen, taking refuge in a 3-inch world of her own. Well, I'd better head inside. Your dad is waiting for me. Please don't tell him about the game. He'll think I broke it on purpose. Par contre, ils ont pas beaucoup d'assets d'image. Je crois que celle-ci, c'est la troisième fois qu'on la voit. Why would he think that? Because, well, I kind of dropped it really hard at the wall. Oh, ok. Tu as rage quit Pokémon Snap? Izzy looked down, scuffing her shoes on the worn floor of the playhouse. J'aime beaucoup le style de dessin en fait. My dad said I have to go to this stupid festival tomorrow and put on a stupid dress. No, I don't want to. All he cares about is working. He never wants to see me unless it's for his job. I'm not going. He can't make me. With that, Izzy dove back through the rosebush and disappeared into the wilds of the garden. Plongea au milieu du rosier. I expected to see that her dad was struggling too. Mais qui fait ça? Il y a des épines, non? It made me think. Had I really tried hard enough to understand my parents' point of view? I was so focused on the adventures ahead of me. Maybe I didn't care enough about leaving them behind. Mais ça, c'est pareil, on peut pas faire ça en fait. Pas possible. Déjà. Leaving Izzy hiding in the garden, I walked around to the front of the house and rang the doorbell. Déjà, quand tu penses aux outils que tu dois avoir pour pouvoir réparer une montre, tu fais pas ça en fait. It was only then I noticed my favorite overalls covered in grass stains. I scrubbed desperately, but it was too late. Maria, what are you doing? What happened to your clothes? I was repairing a lawn mower. How unusual. Well, do come in. The job I've got for you is a little more delicate. Ça dépend de la tondeuse, hein. Totally embarrassed, I walked into an orderly room filled with papers and ledgers. So this was his office. You must be so busy getting ready for the festival. Are you looking forward to it? Of course. It's traditional for the mayor to judge food from every cafe and restaurant in town. Manger gratuitement, I'll be declaring the best chef in Bella Riva by this time tomorrow. Speaking of which, he unclipped the watch from his wrist and very carefully handed it to me. Speaking of which, I'll have a tight schedule to follow, but my watch stopped working a while ago. Could you see if you can make it tick again? On va lui offrir un cadran. Ouais.
Faut enlever ça ou... Ouais. Déjà, elle a...